massivement Mourad La Presse TV hein, pour les annonces, pour les informations. Il n'y a pas trop de bêtises, pas trop de polémiques. Mourad La Presse, abonnez-vous. Parole de Kyrios Gujarati Dietro. Pour son ami, son ignorant, souci et mémoire. Et tu es la mamie, couaille, tu es mal ami, couaille, pas vous. On va voir du bien. Mourad La Presse, c'est la maille. Le pasteur Bravo, inspecteur général de l'église de l'évêque au Congo, l'envoyé spécial de l'évêque général Sony Kafou. Et en approchant le pasteur, nous avons été butés à une barrière. Laquelle barrière mettait en avant l'orgueil qui précède la chute. Laquelle barrière qui mettait en avant la justice monétaire et mondiale. Laquelle barrière qui excluait une justice distributive au Congo. Voilà pourquoi, après plusieurs tentatives, personnellement, j'ai eu à échanger avec plusieurs amis intimes au pasteur Moïse Huillet à des heures tardives, 1h du matin, 2h du matin, je ne citerai pas les noms, ainsi que les confrères Martin Chimbala, pour essayer ensemble de trouver une solution et préserver la paix, évitant, n'est-ce pas, le scandale à l'institution assez sacrée, le corps du Christ. Malheureusement pour nous, il y a eu tellement de choses qui nous ont choqués, ainsi que la cliente. Nous nous sommes dit, comme au Congo, les hommes qui ont de l'influence sur les braves personnes, les pauvres personnes, la pauvre jeune fille, pensent qu'ils peuvent acheter la justice, pensent qu'ils peuvent corrompre la justice en lieu et place de trouver une solution, une chance judiciaire pour que la justice fasse son travail à l'égard des faits que nous avons présentés. Et donc, M. Joël Cadet, je vous confirme encore une fois, j'ai eu à échanger plusieurs fois. Le pasteur Moïse Mbi est d'abord un jeune frère. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans le cas d'espèce, nous refuserons de l'approcher. Nous l'avons fait, mais quand je parle en termes de l'orgueil et c'est de la chute, permettez-moi de vous dire que la justice doit faire son travail et est en train de faire son travail. Ne soyez pas intimidés par ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous sommes en phase préjuridictionnel, donc tranquillement, calmement, la justice fera son travail. Merci. Une autre question. Vous présentez d'abord. Je suis Louis France. Je suis Louis France. Merci pour la question. Pourquoi avoir attendu 3 ans pour que ma cliente puisse enfin se décider de se libérer de ce fardeau. Bien adage qui dit, vaut mieux tard que jamais. Lorsque nous fréquentons des prétendus milieux saints, il faut s'attendre un jour que ce qui est caché soit dévoilé.
Nous n'allons pas étaler, n'est-ce pas, ce qui est, ce que la justice est en train de faire, parce que peut-être sans ignorer que depuis que ma cliente a commencé à faire ses apparitions sur le net, elle n'a jamais dit le fond, elle n'a jamais eu le temps de raconter réellement, de manière assez claire, comment ils ont commencé à se fréquenter. C'est parce que nous, avocats conseil de Mme Bafénon, avons jugé qu'il serait préférable que ces dépositions soient dites devant, n'est-ce pas, les instances habilitées à traiter ce problème. De manière claire, vous le savez, que Mme Eliane a déposé une plainte en bonne et due forme pour viol, avortement, menace de mort, qu'elle subit d'ailleurs jusqu'à ce jour, et attente, n'est-ce pas, la pudeur, vu ces images qui font la une, les images de, comment je pourrais appeler ça, les images intimes des matières qui font la une sur les réseaux, parce qu'elles ont été publiées par des personnes de mauvaise foi. En matière de viol, la prescription, n'est-ce pas, est de 10 ans. C'est pour dire que dans les 10 ans, la personne peut saisir la justice pour que justice soit faite. Il ne faudrait pas nous poser des questions, pourquoi avoir attendu. Vous savez qu'entre un directeur général et ses employés, il y a, n'est-ce pas, une ascendance entre un pasteur et ses bébés, il y a une influence. Entre un supérieur et un inférieur, il y a une influence. Et c'est cette influence qui a fait que juste à ce jour, la première personne en République démocratique du Congo a brisé la peur face à une star de la musique chrétienne et, appelons-le, pasteur, si il était élevé. L'emmener en justice n'était pas le souhait. Ma cliente voulait simplement que le pasteur puisse reconnaître. Et lorsque nous parlons des mauvais arrangements, le mauvais arrangement devait être le pardon. Puisque nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils, je pense que le pasteur Bravo pourra prendre la parole, pour justement rechercher comment éviter les scandales. Puisqu'aujourd'hui, au-delà de tout, nous sommes chrétiens, personnellement je suis chrétien, et il n'est pas bon de vivre ce que la République n'a jamais fait. Nous avons connu des turbulences d'ordre politique, mais des turbulences telles que le scandale à l'Église, en tout cas depuis que nous sommes congolais, nous n'avons jamais vécu cela. Donc, c'est pour vous dire que au niveau de l'Église des Réveils, le président Sonny Kafuta, ainsi que le conseil d'inspecteur général des Églises des Réveils ont sollicité, si possible, que les deux parties puissent, n'est-ce pas, si possible, trouver un arrangement parce que Eliane est chrétien, le pasteur Moïse, membre des Églises des Réveils, membre de l'Église du Congo, si au niveau de l'Église, on peut trouver une solution. Mais cela n'empêche que la procédure judiciaire puisse poursuivre tranquillement
sont pauvres. Voilà ce que je peux vous répondre. Une autre question, Kevin Minala, tu te présentes et puis tu poses ta question. Merci, c'est Kevin Minala pour l'école de la prospérité des maîtres enseignants. Mais ma question est que dans ce dossier, il y a un affaire d'avortement. Cet avortement a été fait de manière intentionnelle de la part de Madame Barbeno, ou soit c'était pas sur volonté personnelle. Puisqu'il y a mort dans cet enfant-là, c'est déjà une personne qui a été conçue. Il y a mort dans. Qui sont les intéressés, si vous pouvez nous citer les noms des intéressés, il s'agit réellement de qui? Et puis, je veux aussi ajouter une deuxième question. L'avocat qui a été attaqué, d'autres disent que ça a du montage juste pour se faire un an. Est-ce qu'il y a type de preuve qu'il a été réellement attaqué? Et pourquoi cette attaque aux autres Mokaka Namoutou et à la personne de Pasteur Moïse Mbi? Et la dernière question, Madame Eliane, quelle serait votre relation avec le Pasteur Moïse Mbi, avec l'Université Bethel, avec tous les chrétiens de la République après ce dossier? Bon, en fait, je suis en Libala, donc j'ai répondu en Libala. Voilà. Tolobi Boy. Madame Eliane Barthélemy a saisi justice pour un problème miné, notamment Oyo Toubéry Nikamouya, avortement sans consentement naïe, et puis na état Yamabe, c'est-à-dire que Yango. Mais ça veut dire que Batoyo, notamment pasteur né à la titulaire, il y a grossesse soin pour aller ça pas pasteur et Apolomola, Zemi, Soko Mokete. Mais ça veut dire que pour les intérêts, il y a pour préserver l'image à Moussa de Zambé, client Nanga, à Sala qui fasse la maman. Pour la recours de la mosinote, parce que tu as déjà devant la justice, Moutou n'a eu d'avis, et j'ai dit Zemi Anan, et j'ai dit bel et bien Zemi Yamouba de l'Impaté. Yamou de Trobi, et j'ai dit Zemi, il y a pasteur Moïse Mbi. Voilà. Mais bon. Dans mon négo, client de la mission de Liane Bafeno a saisi justice parce que santé d'ailleurs et comment qui moi madame m'invite depuis que ma Kambouana est Salima. Azala qui conscient que n'a proposé à Kéwana, regard y'a ma Congolais et à monde entier. Surtout, il y a beaucoup de loukaka vérité, de fanatiques qui sont dans la carte de l'église. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de fanatiques, de fidèles, de dettes, de zali.